Merci Yannick d'avoir canalisé ce système d'Horus et de nous l'avoir transmis. C'est la première chose que je tenais à dire parce que c'est un outil qui pour moi est très bénéfique dans mon quotidien. Je me mets dans une énergie très positive dès le matin quand j'active ce système et la première chose que ça me procure, c'est un ancrage profond. Dès qu'on active le niveau 1, on a vraiment la sensation qu'on est vraiment positionné. Et tout de suite, on se sent investi d'une énergie qui est vraiment presque indéfinissable, particulière, mais qui tout de suite fait son effet. Il a bien fallu 15 jours de pratique pour que ça rentre en ordre, on va dire. Donc mes demandes ont tout doucement, parce que j'en avais une dizaine, sont rentrées dans l'ordre, c'est-à-dire que les difficultés que je vivais ont cessé peu à peu. Et vu que ça marche bien, je me suis permise de continuer ça. Ce que j'ai aimé dans le sèche également, c'est la dimension sacrée, parce qu'on se tient dans une pyramide. Et la sensation que cela donne, c'est en fait d'être protégé et d'être vraiment connecté. Assez rapidement, on ressent des choses dans le corps. Et ce ressenti est très agréable, surtout quand on ne connaît pas ces ressentis d'énergie subtile. Ça permet vraiment de sentir qu'il se passe des choses. Je l'ai utilisé vraiment en dernier recours sur des situations qui étaient enquistées depuis longtemps, comme par exemple une succession, un déménagement, le sommeil de mon fils. Et Horus m'a permis vraiment de débloquer des choses et ces choses-là pour qu'elles se remettent vraiment en mouvement et qu'elles bougent. C'est vraiment par les retours et par les résultats que j'ai eu du protocole d'Horus que je suis vraiment convaincue, et pas tant par ce que je peux ressentir au moment où je fais le protocole. Lorsque je faisais une demande, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, je pouvais même presque en voir la couleur, et ce que j'y mettais dedans, dans ce que je voulais, il y avait des choses qui se passaient par rapport à mes demandes. Et même si c'était des demandes complexes pour moi, dans ces moments-là, je gagnais vraiment de l'assurance, de la puissance et vraiment l'énergie à pouvoir réaliser et parvenir à mes demandes. Vraiment. Comme je sens cet ancrage lié à cet outil, à ce moment-là, cet outil me permet d'absorber l'émotion et de me laisser traverser. Et je ressens de nouveau cette connexion à la Terre. Donc je me nourris par la Terre. Et ensuite, ça me permet de faire cette demande, de me libérer de cette émotion et de ce qui s'accompagne. C'est une pratique qui permet vraiment de se centrer, de se calmer et qui amène vraiment un apaisement. Personnellement, je trouve que c'est aussi agréable que de faire de la méditation. Ça me permet également de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, et d'activer tout un ensemble de potentiels. C'est également grâce à ce système-là que j'ai pu poser des limites et résoudre un long conflit, notamment avec mes parents. Ce que ça m'a aidé à faire également, c'est à perdre du poids, parce que c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Aujourd'hui, j'en suis à moins 9 kilos. Le système d'Horus m'accompagne et me permet de régler ou de désamorcer des petits ou des grands sujets de mon quotidien ou de ma vie en général. Et une des preuves que j'ai eues la plus probante, j'ai désamorcé un conflit qui était vieux de 9 ans. Donc j'ai vraiment senti l'apaisement intérieur et le bénéfice que ça me procurait sur ce gros conflit. Et ça me permet de m'accompagner aussi dans des petites demandes du quotidien plus légères, mais je me sens plus ancrée, plus puissante, plus forte. C'est une pratique qui permet de résoudre des problèmes que l'on a et de les résoudre soi-même. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se retrouve dans l'autonomie face à ces difficultés. Pour ceux que ça intéresse, ça permet vraiment d'aller plus loin et d'aller même très loin. C'est un outil extraordinaire parce que même si on n'a pas forcément la force, on ne sent pas forcément la ressource, il suffit qu'on se mette dans cet outil, dans cette position de russe, et pour qu'on puisse canaliser vraiment nos demandes et y mettre vraiment l'énergie que l'on veut dedans, mais dans une énergie vraiment supérieure. Et là, ça donne vraiment de l'élan. Et quand on voit concrètement que ça se réalise, qu'il y a des choses, des petites comme des plus grandes qui se réalisent, et là, on se dit, waouh, c'est juste magnifique. Les résultats sont vraiment là dans ma vie. Il y a vraiment eu un changement sur toutes les situations qui pouvaient être enquistées, qui étaient vraiment figées depuis longtemps, et pour lesquelles j'avais essayé vraiment plusieurs solutions qui n'avaient pas fonctionné. Enfin, je dirais qu'avec le niveau 4, on bascule encore dans une autre dimension, beaucoup plus mystique. Une connexion bien particulière avec
notre potentialité ultime, une véritable reconnexion. Et devant nous, on a un véritable chemin qui s'ouvre, avec des possibilités juste inimaginables. Donc, je le conseille fortement à tous ceux qui souhaitent voir des changements dans leur vie.